Dans cette section, je vous propose une définition de ce qu'est la RSE. La RSE, c'est d'abord et avant tout un acronyme qui signifie responsabilité sociétale des entreprises. Toute organisation a une fin en soi. Elle est dédiée à un objectif précis. Les entreprises privées, elles, auront une finalité qui sera d'abord et avant tout économique, le fait d'être rentable et de gagner de l'argent, assurer du profit pour assurer leur pérennité. Ensuite, nous avons des finalités qui sont sociales et sociétales. Pour faire une définition simple, le social constitue le bien-être des individus et le sociétal constitue le bien-être de la société en général. Pour prendre un exemple, nous avons d'autres types d'organisations qui ne sont pas des entreprises privées, comme les associations, les ONG, les entreprises publiques, qui, elles, ont des finalités qui sont d'abord et avant tout sociales ou sociétales. Par exemple, les Restos du Cœur ont une finalité qui est d'abord sociale, pour nourrir les personnes les plus démunies, et une ONG comme Greenpeace aura pour finalité première une finalité qui est, elle, sociétale, qui va être la préservation de l'environnement. Ainsi, toute organisation auront des finalités qui seront différentes. Et le but de la RSE va être, pour une entreprise privée, de présenter des finalités qui ne sont pas uniquement économiques, mais des finalités qui sont sociales et sociétales. Dans la finalité sociétale, parfois on mettra directement tout ce qui va être les questions environnementales, mais parfois certains feront la distinction entre finalité sociétale et finalité environnementale, puisque dans les questions sociétales, on peut poser des questions sur, par exemple, le bien-être animal, qui n'est pas directement lié à l'environnement et qui n'est pas lié directement aux individus. Ainsi, la RSE va être un élément important pour communiquer auprès des différentes parties prenantes les bonnes pratiques d'un point de vue social et sociétal des entreprises. Ainsi, la RSE se définit de la façon suivante. La RSE est l'intégration volontaire pour les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes, car les entreprises ont de plus en plus conscience qu'elles doivent avoir un comportement responsable qui va permettre une réussite commerciale durable. Ainsi, les entreprises qui vont présenter leur RSE vont montrer leur dynamique de changement, leurs évolutions, par la prise de conscience des enjeux sociaux et sociétaux de la société. Ainsi, la Commission européenne, qui est l'une des institutions les plus importantes de l'Union européenne, présente la RSE de la façon suivante. La RSE reflète un rôle des affaires au sein de la société, ainsi qu'aux attentes de la société par rapport à l'entreprise. La RSE suppose que les compagnies vont contracter volontairement des obligations qui vont simplement dépasser le cadre législatif. La RSE sous-tend une attention centrée sur les conséquences sociales des activités dans le domaine des affaires, qu'elles soient positives ou négatives. Et enfin, la RSE se réfère aux activités régulières de l'entreprise et non uniquement à ses actions philanthropiques, c'est-à-dire que l'entreprise va présenter l'ensemble de ses activités, l'ensemble de ses missions, même si elles ne sont pas nécessairement de nature philanthropique. On peut ensuite dresser une typologie. Il s'agit de la typologie des différents types de responsabilités d'une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes, mais également de la société de façon générale. Ces quatre types de responsabilités sont les suivantes. Une responsabilité qui va être d'abord économique, une responsabilité légale, une responsabilité éthique, et enfin une responsabilité philanthropique ou également qu'on appelle discrétionnaire. Ainsi, on peut dresser le tableau suivant avec les types de responsabilités et leurs définitions. Toute entreprise aura pour responsabilité une responsabilité qui sera d'abord et avant tout économique. Ici, ça va être de produire des biens et des services, d'offrir des emplois, de créer de la richesse pour les actionnaires, et les prix des produits vendus doivent refléter les prix du marché. Il y a ensuite une responsabilité légale. Ici, ça va être de respecter les réglementations et les législations en vigueur dans les pays où l'entreprise est présente, de ne pas faire de lobbying. Ensuite, ça va être d'œuvrer pour des politiques publiques qui défendent des intérêts éclairés.
Ensuite, il y a une responsabilité éthique. Suivre les principes éthiques fondamentaux, par exemple l'honnêteté. Fournir des informations précises et complètes pour accroître la sécurité d'utilisation au-delà des conditions légales. Ici, il s'agit de réduire l'asymétrie d'informations entre, par exemple, l'entreprise et son client pour qu'il y ait une meilleure traçabilité des produits, une meilleure connaissance de ce que consomment les individus. Et enfin, la responsabilité discrétionnaire, agir comme un citoyen modèle dans tous les domaines, au-delà des réglementations et des règles éthiques, et rendre une partie du chiffre d'affaires à la société. Pour conclure sur cette question, on peut dire que l'RSE est une pratique volontariste de la part des entreprises qui souhaitent afficher leurs bonnes pratiques. Retrouvez cette formation complète dans le lien en description.